Oh, Suzanne, je vais l'ouvrir tout de suite. Oh, c'est sûrement une surprise qu'Igor nous envoie. Moi aussi, j'ai hâte, Kelly. Mais il faut attendre Pacha. Oh, ça fait longtemps qu'on l'attend. Je n'en peux plus, moi. Oh, ça y est, il arrive. Oh, Pacha, Pacha. Oh, c'est toi, Pico? Oui, c'est moi, Pico, le grand gagnant du concours. Yahoo! Tu as gagné un concours? Oh, pas encore. Mais tout à l'heure, au parc, il va y avoir un grand concours de ballons. Oh, un concours de ballons? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? C'est facile. Celui qui gonfle le plus gros ballon gagne, devinez quoi? Quoi? Un bel harmonica! Oh. Un harmonica pour faire de la musique. Oh, Pico, j'espère que tu vas gagner. C'est même certain, parce que j'ai acheté le plus gros ballon du magasin. Oh. Il n'y en avait qu'un seul, comme celui-là. Oh, il a l'air un peu petit. Attends de le voir quand je l'aurai gonflé. Il va être énorme. C'est moi qui vais gagner. Pico est chanceux d'avoir un aussi beau ballon pour participer à un concours. Mais nous aussi, on est chanceux. Igor nous a envoyé un beau gros colis. Oh, mais si Pacha n'arrive pas, on ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Avant de gonfler mon ballon, il faut que je trouve une corde pour l'attacher solidement. Sinon, le vent va l'emporter. Oh. Oh. Si mon ballon s'envole lui aussi, je ne pourrai pas participer au concours. Et moi, je veux gagner le bel harmonica. Oh. Bon, une corde. Ah. Tiens, voilà. C'est parfait pour tenir mon ballon. Ah. Ah. Je vais le gonfler en un rien de temps. Mais voyons, il ne veut pas gonfler. Je vais souffler plus fort et là je vais réussir. Pacha! Pacha, viens! Vite voir ce que le facteur nous a appris. Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'Igor. Oh, il y a une carte. Allez, Pacha, vite! Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, Igor dit qu'il nous envoie le plus gros ballon du monde. Oui. Le plus gros ballon du monde, tu en es sûr? Oui, regardez. C'est à ça qu'il ressemblera une fois gonflé. On va gagner un bel harmonica. Quel harmonica? Mais voyons, celui du concours de ballon. Oui. Il y a un concours de ballon. Mais où ça? Souffle, Pacha. On va tout expliquer, mais il faut que tu souffles d'abord. Ah, bon. Mais il faut que j'arrive à le gonfler pour gagner le concours. Du calme, Pico. Il y a sûrement un autre moyen plus facile, plus rapide pour souffler du vent dans mon ballon. Oh, mais oui, j'aurais dû y penser avant. Allez, Pacha. Plus fort. Respire à fond, Pacha. Allez. Vas-y, souffle. Vas-y, Pacha. Ça sent bien, Pacha. Mais vas-y, Pacha, gonfle-le, tu es capable. Il faut que tu réussisses. Oui. Allez, Pacha. C'est bon, Pacha. Plus fort, Pacha. C'est bon. Pacha, repose-toi un peu, Pacha. À mon tour d'essayer. Non, César. Si je n'y arrive pas, tu ne seras pas capable. Pacha, tu ne peux pas arrêter maintenant. On a un concours à gagner. Allez, continue, Pacha, continue. Respire un bon coup. Oui. Et souffle fort. Plus fort.
pas mal mon invention. Je vais pomper de l'air dans mon ballon sans même me fatiguer. Pour gonfler un ballon aussi gros qu'une maison, il faut de l'imagination. Alors j'ai inventé une machine à souffler qui gonfle, gonfle mon ballon plus gros qu'une maison. Je suis un gagnant, un vrai gagnant. Rien ne m'arrête, rien ne m'embête. J'ai décidé de bonnes idées, tout plein ma tête. Pour gagner le premier prix, c'est moi qui vous le dis, il ne faut pas rester assis. Alors je vais pomper sans jamais me dégonfler. Il souffle, soufflerie du vent dans mon ballon géant. Je suis un gagnant, un vrai gagnant. Rien ne m'arrête, rien ne m'embête. J'ai décidé de bonnes idées, tout plein ma tête. J'ai décidé de bonnes idées, tout plein ma tête. Ah, ah. Oh, oh non, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est fini, fini. Je ne peux plus participer au concours. Allez, allez Pacha. Vas-y, Pacha. Allez, Pacha. Encore une fois, souffle. Allez, souffle. Allez, Pacha, fais un effort. Allez, allez. Oh là là. Pacha. Oh là là. Je n'en peux plus. Pacha. Oh, oh, je n'en peux plus. Oh, oh, je, la tête me tourne. Oh, je me sens bizarre. Pacha. Laissez encore, Pacha, s'il te plaît. Pauvre Pacha. Oh. Il n'y arrivera jamais, le ballon est beaucoup trop gros. Mais César, qu'est-ce qu'on peut faire? Le concours va commencer bientôt. Il faut trouver un autre moyen de gonfler le ballon. Oh, mais j'y pense. Mais j'y pense, mon ami Eugène. Peut-être qu'il aurait une idée pour gonfler le ballon. Oh, oui, Pacha. Pacha. Oui. C'est ça, va voir Eugène et demande-lui de nous aider. Oui, dis-lui que c'est pour un concours et qu'il n'y a pas de temps à perdre. Oui, et reviens vite. Allez, Pacha. Écoute, Cali, on dirait quelqu'un qui pleure. Oh, ça vient de là-bas. Bon. Pico, tu pleures? Moi? Pleurer? Jamais de la vie. Je suis fâchée, c'est tout. Mais pourquoi? Tu étais si content tout à l'heure. Mon beau ballon. Pas crevé. Tout en morceaux. Fini. Plus de concours. Plus d'harmonica. Oh, pauvre Pico. Mais ne t'en fais pas. Tu n'aurais jamais pu gagner le concours avec ton ballon. Non. Mais, qu'est-ce que tu dis? C'était le plus gros ballon du monde. Mais non. Le plus gros ballon du monde, il est là. Juste ici. Mais... Oh, mais c'est vrai. Il est beaucoup plus gros que le mien. Prêtez-le-moi pour que je gagne le concours. On ne peut pas te le prêter. C'est un cadeau d'Igor. Et on en a besoin pour gagner le concours. Mais... Vous n'avez même pas gonflé. Pacha n'a pas réussi, mais il est allé demander de l'aide à Eugène. Si vous attendez que Pacha revienne, il sera trop tard. Le concours va être terminé. Oh non. Écoutez, je vais le gonfler avec ma machine spéciale. Oh. Et on va participer au concours tous ensemble. Oh oui, ça c'est une bonne idée. Oui. Allez, viens, viens, oui. Oui, mais... Ce ballon-là, il ne faudrait pas que Pico le crève. Vous allez voir, il va devenir énorme, plus gros qu'une maison. Pourvu que ça fonctionne. Oh, oui, je ne peux pas voir ça. Il va crever, je le sens. Oh non. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça y est, je l'ai gonflé. Qu'il est gros! Oh, bravo, Pico! C'est toi le meilleur gonfleur de ballon! Tenez-le bien! Oui! Tenez-le bien! Oui! Je vais l'attacher. Il faut l'attacher car sinon. Sinon, le vent va. Va l'emporter! Pico! Pico!
de caramel, de pistache. J'ai cherché Eugène partout. Je ne l'ai pas trouvé. Cali, César. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Oh, le ballon aussi a disparu. Ils ont peut-être réussi à le gonfler. Oh, c'est ça, ils l'ont gonflé et ils sont allés au parc. Oh, je vais aller les rejoindre. Mais oh, oh, mais où allez-vous? Je ne pensais qu'on s'arrêterait jamais. Oh, il est vraiment énorme. Mais qui l'a gonflé? C'est moi. Quoi? Avec ma machine spéciale. Oh. Mais oui, le vent l'a emporté. Mais Pico s'est envolé. Il montait. Et le vent soufflait. On a couru très fort. On l'a rattrapé au parc. Et j'ai atterri en plein milieu du concours de ballon. Pouf! Et j'ai gagné le premier prix. C'est-à-dire, on a gagné le premier prix, tous ensemble. Ah oui, l'harmonica. Oh, mais il est très gros. C'est peut-être le plus gros harmonica du monde. Il y en a plusieurs. Alors, on est tous des gagnants. Dépêchons-nous nous pratiquer. Oui. Parce que la semaine prochaine, il y a un concours de musique. C'est ça.